pense qu'il y a peu de gens qui ont cette chance de pouvoir être au plus près de l'intimité des artistes. Parce que je pense que c'est vraiment dans leur lieu qu'il y a le plus de réflexion sur ce qu'ils sont. C'est un travail de, j'allais dire, d'appropriation aussi. C'est un petit peu l'idée était de faire un opus qui soit un petit peu comme un contraire d'Instagram. C'est-à-dire prendre peu de sujets et les approfondir et faire beaucoup de pages sur un sujet. Et donc j'aborde un mélange d'architecture comme par exemple Barragan ou des artistes comme Louise Bourgeois ou l'atelier de Morandi à la recherche de leur identité. Donc à la fois c'est mélangeant mon identité photographique à leur identité en tant qu'artiste et créateur. L'atelier est souvent pour l'artiste la meilleure autobiographie. Je trouve qu'il y a une vérité, voilà, une vérité dans leur lieu et que j'aime bien m'approprier, photographier et rendre visible à ceux qui n'ont pas la chance d'être présents. Il y a des choses, il y a des endroits comme, je ne sais pas, l'atelier 2, de Faye Chombly, que j'ai photographié, où j'ai mis 10 ans en attendant d'avoir un jour l'opportunité d'y aller. C'est-à-dire que je peux attendre, par exemple, 10 ans ou même 15 ans d'une chose dont j'ai vraiment envie, mais pour avoir l'opportunité d'y passer quelques heures. Ma galeriste m'appelle en disant « Tu sais, je viens d'acheter l'appartement en face de chez moi, sur le même palier. » Et elle m'explique que son voisin de palier était donc Saul Leiter, qui venait de décéder. Et si ça m'intéressait de venir et de photographier ses traces. J'ai pris mon appareil photo et j'ai tout de suite accouru. De capter cet endroit qui n'avait pas été encore transformé par le temps. Et en fait, là, c'était comme s'il ne restait plus que la coquille vide, mais habitée de cet endroit. Et donc effectivement, la première photo que j'ai faite en arrivant, c'était la photo de sa fenêtre, évidemment, en pensant à toutes les photos de fenêtres que lui avait faites. Donc je voulais voir, faire la photo des fenêtres que lui avait vues. C'est une petite visite d'endroits et de lieux qui m'emmène très vite à aller en faire un troisième volume, très très vite en fait, pour pouvoir en montrer d'autres. Voilà.